tous. Excusez-moi pour mon retard, je suis vraiment débordée en ce moment. On va commencer cette réunion, n'est-ce pas? Vous êtes tous là, c'est super. Pour le journal suivant, les préparatifs de la fête de l'école. Qui veut se charger de ça? Super. Quelqu'un pourrait aller voir la répétition de la pièce de théâtre des quatrièmes? Moi, je veux bien. Oui. Quelqu'un pour les photos? Moi, je veux bien. L'accompagner? Super. J'aimerais avoir un interview de la finaliste du concours de formation de cristaux en chimie. Moi, je veux bien. Oui, oui, je m'en charge. Alexia, bonjour. Avant tout, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre interview. Et évidemment, félicitations pour ce prix que vous avez remporté. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a poussé à y participer? Alors, mon professeur m'a encouragé à participer. Il est très motivé et il pousse toujours ses élèves à faire des projets. Donc, vous appréciez bien sûr votre professeur? Je l'apprécie, je l'admire. La chimie devient vraiment passionnante avec lui. Pensez-vous que dès le départ, vous aviez votre chance de gagner? Alors, on était tellement à participer que... Oui, j'avais envie de gagner, mais je pensais pas que j'allais avoir mes chances. Mais maintenant que j'ai gagné, je suis très très heureuse. Je vois ça. Merci. Comment ça a été ton interview? C'est nul. Ouais? Trop nul, quoi. Je peux voir? Ah ouais, je comprends. Ah, c'était super nul. Concours de cristaux, quoi. Ouais, le cool. Prof est gentil, ouais. Je suis motivée. Ouais, c'était vraiment trop nul, quoi. C'est sympa, mais bof, y a rien de spécial. Tout le monde s'en fiche. On va le changer? Ouais. Allez, go! Ok. J'adore mon professeur, mais mon niveau est bien supérieur au sien. On met ça? Oh, ouais, oui. Vas-y. C'est trop okay. Marrant. J'ai décidé de m'inscrire à ce concours pour ma gloire personnelle, ainsi que pour prouver à mon professeur de chimie non. Que mon niveau est supérieur au sien. Je déteste ce professeur. Il est aussi passionnant qu'une série télé pour les vieux. La chouchoute du prof de chimie. Alors là, quand les autres vont apprendre ça... Et regarde, c'est l'interview d'Alexa. Et vous avez lu mon article? Non mais t'es dingue, t'as vu ce que t'as dit sur le prof de chimie? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai rien dit de mal, montre. Mais j'ai jamais dit tous ces trucs. Alexia, tu me déçois vraiment. Hein. Tu as baissé de mon estime. Ce que tu as dit, c'est vraiment inacceptable. Ça me fait vraiment de la peine. Monsieur Colomb, non. Mais c'est pas ce que vous croyez. Tu te rends compte, toute l'école va être au courant. Je comprends pas. Pourquoi tu as changé mes propos? Le prof de chimie m'en veut. Tu me fais passer pour une prétentieuse. Ah, ça... Ça te fait rire? C'est quoi? Ça pour toi le métier de journaliste? Mais quoi, y a personne qui lit ça. Toute l'école est au courant. Mais enfin... Non. Tiens, garde-le ton tissu de mensonge. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai un peu modifié ses propos, quoi. Qu'est-ce mais que t'as fait? Drôle. Mais t'as rien compris. Mais c'est drôle. T'as rien compris au métier de journaliste, toi, hein? Mais c'était drôle. Notre premier devoir est de fournir des informations authentiques. Mais quoi, c'était drôle. Remballe tes affaires, t'as plus rien à faire ici. Mais non, on est en rupture de stock pour le journal grâce à moi. En plus, c'était drôle. Ah oui, c'était drôle. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.